Et bonjour à tous et à toutes, After, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 8 de Child of Light, je pense que c'est l'épisode 8, encore malade, encore une fois, voilà, donc on continue notre aventure, et voilà, on se retrouve pour un petit épisode, petit, pourquoi pas, on va prendre, je sais pas combien de temps on va faire, mais voilà, j'ai pas de chrono là à côté de moi, donc on va faire au feeling. On est parti pour donc le chapitre 5 qu'on avait commencé la fois passée. On était dans le chapitre 5. Enfin, du moins, on avait commencé le chapitre 5 la fois passée. Donc, on va essayer de le finir. Enfin, le finir, je suis pas sûr qu'on va y arriver. Mais on va essayer de le continuer, du moins. Donc, on devait passer par là. Ici, il y a un petit rubis brut x2, c'est cool. Y a plus rien. Est-ce que je peux passer par là? Ok, c'est bon. Ok. Hop, c'est bon. On va descendre un petit peu, voir ce qu'il y a en bas. Ici, il y a un truc. On a de l'élixir alchimie. Alors, on va regarder un petit peu. Compétence, lui, on peut l'augmenter. Et ok, c'est bon. Oculi, on va regarder. Fabriquer un oculi. On va regarder les astuces. Est-ce qu'on fait du diamant? On en fait encore un. Il me faut un bleu, voir. J'ai du vert, j'ai du rouge, mais j'ai pas de bleu. C'est pas grave. On va essayer d'en avoir. Bon, on verra quand on en aura. Et ouais, je suis désolé aussi, je vais essayer d'être quand même de faire un bon petit commentaire, mais bon, c'est pas super facile non plus. J'ai rien eu. Ah si, exercice d'accélération 2, c'est bon. Je regarde en haut s'il y a des choses ou pas. Ça m'étonnerait. Alors, je vous avais dit que j'étais pas sûr si j'allais vous tourner un épisode de Child of Light. J'ai quand même essayé de faire l'effort de vous le tourner quand même. J'avais envie de continuer et de pas être en retard dans toutes mes séries. Non, y a plus rien de toute façon là. Hop. Donc j'essaye de quand même vous le tourner. J'espère, je sais pas si sera super niveau gameplay ou commentary. Et si pas, j'en suis désolé. Hop. Donc va falloir passer par là. Mais bon, hop, je vais essayer de m'appliquer un. De plus en plus m'appliquer. Ah, par contre, j'ai pas vu ce qui avait bougé. Je pense que ça va ouvrir. Ah, attention, cinématique. Et qu'est-ce que tu fais, cinématique? Ok, ouais, mais on tourne à du 30 fps. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais bientôt peut-être me racheter un PC. Si un mois ou deux, on verra. Alors, serait-ce un rêve, Viniculus? Cela ne se peut pas. Et pourtant, c'est bien elle, ma sœur, la douce Nora. C'est impossible, tu étais dans ton lit. Les joues pâles et le corps sans vie. C'est un miracle. Mère et le duc seront tellement ravis. Depuis quand es-tu ici? Comment va père? Il est au plus mal, quelle tragédie. Voilà un jour entier maintenant qu'il garde le lit. Pour le distraire, je chantais doucement avec les merles du jardin fleuri, les lilas parfumés en l'air du matin, quand soudain, en haut de la tour, je suis traîné, et à travers un miroir jeté par les par de villes mains. What? Un miroir, sœur, dis-moi où le trouver. Auprès de père et mère, il nous faut rentrer. Rien ne ferait plus plaisir. Pour cela, une montagne nous devons gravir. Que d'obstacles. Ensemble, rien ne nous résistera. Nous triompherons, tu verras. Et voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire une petite pause et je reviens. Et on se retrouve. J'ai pris un chrono à côté, histoire de pas non plus faire genre 30-35 minutes. Alors, la nouvelle. Notre nouveau compagnon est une meuf. Et je vais pouvoir augmenter quelques trucs. Alors, si j'augmente par là, empêche l'allié visé d'être interrompu tandis qu'il exécute une action pendant 4 tours. Je sais pas quel truc est mieux en fait. J'aimerais bien une attaque en fait. On va regarder s'il attaque. Lui, il a pas l'air de vouloir attaquer en fait. Ouais, je sais pas. On va s'attaquer qu'à un côté au pire.
On va s'attaquer par là. Attendez, oui, hop. Voilà. Ah, attendez, coup de taille puissant ayant 30%. Coup de taille puissant ayant 30% de chance de paralyser la créature obscurvisée pendant 4 secondes. Donc on a déjà tout ça, après il manque tout ça ici. Et puis après, bon, on aura des nouveaux trucs, on verra. Hein. Retour, retour, et c'est bon, on est reparti. Donc, là-dessus, être sûr qu'il n'y a rien, s'il y a quelque chose. Il va falloir que je... Voilà. Alors, c'est... Et on obtient quoi? Potion magique concentrée. Ok. Par là, il y a peut-être quelque chose, non? Je sais pas. Ok. Par ici, non, je vais pas par là. Résister au vent. Ok, c'est pas grave. Voilà, il y a un truc ici. Et élixir accalmie. Ok. Là, il me faut passer, il y a un truc à faire là. C'est chiant de jouer en 30 FPS parce que c'est moins fluide en fait. Bon, ça remonte un peu, mais bon, c'est un peu moins fluide. Et je sais pas là. Pourquoi ça fait ça? D'accord. Ok. Donc ça m'a pas l'air super utile. Enfin bon. Ok, donc ça c'est bon. Ah si, à mon avis ça va être pour bloquer une porte ou un truc de ce style-là. Ok, et ici on ouvre ça. Élixir de Luciole 3. Pas par où on entre là par contre. Non, c'est pas par là. Ok. Voilà, on va rentrer. Comment on fait pour rentrer? Alors là, faut peut-être descendre. Ah d'accord, oui, ok, donc c'est hop, voilà, comme ça là on peut rentrer. On va voir ce qu'il y a par en dessous. Ça, je sais pas c'est quoi. Ok, rubis brut. Ouch, ça fait mal. On va du coup essayer de passer quand même. Je propose qu'on aille en haut. Mais va falloir attendre du coup. Hop. Aïe 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 aïe. Alors ici, il faut appuyer. C'est en bas, s'il vous plaît. Voilà. Faut appuyer sur. Enfin, faut faire la manivelle là. C'est bon. Ok. Ok. Ouch. Va falloir que je me soigne un petit peu quand même. C'est plutôt pas pratique ce truc. voilà. Comme ça, on est un peu soigné. Alors, on va remonter. Ça, on peut pas du coup. Ici, il y a une petite animation. Ah non, un petit combat, c'est parti! Alors. Je vais prendre Finn. Non, pas Finn. Nora. Et on va mettre Aurora sur lui. Voilà, les deux sœurs combattent. Allez, c'est parti pour Aurora. On va faire un flash stellaire là-dessus.
On va voir combien ça tape hein, dessus. 66, c'est pas mal. Alors, on va voir ce qu'elle a comme attaque. Pétrification, on va faire ça là-dessus. Ok, ça va le pétrifier normalement. Ok. Et voilà, j'espère en tout cas que je ne devrais plus faire d'ellipse, je suis désolé. Du coup, je vous retrouve pour la fin du combat. Alors, l'XP, c'est bon, tous mes personnages n'ont XP normalement. Alors, quel est donc ce lieu maudit? C'est une terre sombre et sauvage. Notre place n'est pas ici. D'où viennent tes pouvoirs magiques et les ailes que tu as dans le dos? La dame de la forêt m'a montré les étoiles. Tu l'as rencontrée toi aussi. Elle m'a donné cet anneau. Cette flûte fut pour moi son seul cadeau. Je suis ton aîné, Aurora. Ne t'inquiète pas. C'est mon rôle de veiller sur toi. Inutile, la couronne me protège du danger. Ok. Bon, j'ai quand même eu du mal. Regardez, j'ai eu plus qu'un point de vie. Du coup, on va la soigner un petit peu. Normalement, ça la soigne comme ça, je pense. Ouais, normalement, ça devrait quand même la soigner. Bon, on le fera après, peut-être. Ok, voilà, compétence. Alors, j'ai un pour lui. Voilà. Bon bah ok, c'est bon, j'ai que ça comme compétence à améliorer. On va pouvoir ouvrir ici. Élixir accélération, je vais prendre ça ici parce que j'ai plus. Voilà. Du coup on va repasser par là. Et ici. Le miroir se trouve, je le crains. Le miroir se trouve, je le crains, dans ce temple là-bas au loin. Aussi haut, nous ne pouvons voler. Peut-être y a-t-il un passage dissimulé. Allons nous renseigner. Ok. Donc, le miroir doit être par là. Ok, donc là on a un... potion magique, ok. Donc, on doit trouver le miroir. Je sais pas trop où c'est. C'est hop. Ah d'accord, oui, hop, on doit faire comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, bof, je sais plus trop en fait. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire. Je suppose que c'est comme ça. Hein. Le celui-là. C'est-à-dire que ça s'ouvre. S'il y a peut-être quelque chose par ici. Je vais voler haut, voir s'il y a quelque chose, mais ça m'étonnerait. Non, il y a rien. Du coup, on peut retourner. Alors, je ne sais comment passer. Donc, on va le remettre normal. Allez, appuie sur C. Ok, c'est bon. Ah oui, d'accord. C'est un peu compliqué. Ah, en dessous il y a peut-être une porte. Je vais passer par là. On va voir par là si ça joue ou pas. Bah écoutez, je n'ai aucune idée. Et en plus c'est 30 fps, ça m'énerve. Non, vraiment que je change tout ça quoi. Tap 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 tap. Alors.
Y a pas de quoi descendre. On va voir si par là. Non, c'est la même chose. Et ici, on peut pas passer par là. Il y a un truc par en dessous, mais je vois pas trop comment je peux faire. Non, bah écoutez, je vois pas trop comment je peux faire là. Écoutez, on va explorer un petit peu les alentours. Je vais voir où on devrait aller. C'est assez bizarre qu'on ne voit rien. Il devrait peut-être avoir un passage par ici. Ah ben oui. D'accord. Ok, bon, d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais la soigner parce que c'est un peu chiant de pas avoir de vie. Et après on va aller du coup bah, tout droit puisqu'il y a un passage comme vous l'avez vu. Du coup oui, ce que je dois faire. Ah, je vais mourir. Ok, bon, poudre de PV. Ok, c'est bon. On va d'abord, alors ce qu'on va faire, c'est que on va. Il nous faut faire ça en deux étapes, j'ai compris. Alors, on va la soigner un petit peu. Je vais regarder si j'ai une poudre peut-être. Inventaire. Voilà. Voilà, c'est bon. J'avais une potion. Alors, on est reparti, du coup. Donc c'est par là. C'est par ici. D'accord. Ça, on va devoir le mettre. Histoire de laisser accès. Allez! Histoire de laisser l'accès. Voilà, comme ça. C'est bon. Alors, on doit repasser par là. Ok. Avec tout ce vent et cette eau. Mais c'est bon, normalement. On gère. Et puis ici, il y a. Donc, ça. On doit passer par là, finir ici. Il y a quoi par ici? C'est. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, à mon avis, c'est le passage dissimulé, comme dit. Ok. Je veux pas trop me faire attaquer. Hop. Défense de l'élixir de défense. Ici aussi il y a un truc. Rubis brut x3. Donc j'ai blindé de rubis brut. Potion de vie concentrée x2. Ok. C'est-à-dire qu'il va avoir des combats hard à mon avis. Rubis brut x2. Donc oui, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on commence à en avoir pas mal. Ok, c'est. Hop. Vite concentré. Ici, on appuie sur C. Rubis brut. Donc on a pas mal de rubis brut, franchement. Ça, je peux pas, du coup. Faut trouver un autre moyen. Là, ici, il y a un truc, je pense. C'est pour en sortir, mais j'ai pas fini, je peux pas en sortir. Allez, hop. Défense encore. Ok. Résurrection, donc on a le droit de résurrection. Ici, le C, voilà.
Ah non! Mince! Ah mais ça va être plutôt facile, vous inquiétez pas, tout simplement parce que... Alors je vais juste changer un truc. Oh c'est chiant, c'est 30 FPS. Hein. Groupe, et on va mettre Rubella. Ah cette place là. Action, on va faire une frappe. Et par contre lui, on va mettre un typhon. Ah oui. Ils ont des résistances, des faiblesses feu, je pense. C'est pour ça que je vais mettre des typhons. Vulnérabilité. Et frappe toujours, on va faire de la frappe. Voilà, il nous explose. Et on va toujours attaquer en mode typhon. Action frappe, c'est bon. Action typhon sur lui. Ok. Action frappe sur lui. On va voir s'il va mourir ou pas. C'est cool. Non. Attaque physique concentrée. Ouch, moins 15. Action, typhon sur lui. Okay, donc c'est bon. Voilà, frappe sur lui. Voilà, et frappe sur lui. Il faudrait qu'il meure. Ah, il esquive. C'est cool qu'il meure à un moment ou à un autre, hein, parce que c'est à dire que je frappe depuis tout à l'heure, mais frapper sur lui. Non, alors, attendez. Potion magique. Voilà. Ok, donc voilà, j'aurai de quoi faire des incendies. Un peu plus facile pour moi maintenant de pouvoir le tuer. Frappe sur lui. Typhon sur lui. Voilà. Et le typhon qui va passer juste après. What? Mais pourquoi il m'attaque? Comment ça se fait? Attention, petit typhon, pépère. Ah, bah voilà, il est mort. Ok, bon. Niveau supérieur de Aurora, c'est cool. Niveau supérieur de Nora, c'est cool aussi. Et on a un rubis brut encore. Ok, oh, une fée douée de parole. Pff, je suis une luciole. Ah, tu as de la répartie. Aurora, tu as trouvé un bon ami. Ok, c'est bon, je m'en fous en fait de ce que tu dis. Et en plus, ça rime. Ok, bon. On va voir, explorer un petit peu ce qu'il y a. Je suis pas venu là pour rien non plus. Ok, donc. D'accord. Donc ici, ouais, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Ici, il doit y avoir un truc. Voilà, rubis brut. Ouais, voilà. Ok. Ok, c'est bon. Bon. On va passer par là, hein, ça va un peu plus vite. Alors, c'est... Ah ben non, on doit le faire par là, du coup je vais le pousser par là. Ok. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon j'aurais pas pu le passer au-dessus. Voilà. Confession numéro 2. Alors ici, il y a un truc. Voilà, ici c'est potion magique concentrée, ici c'est... Citrine brute, c'est pas mal. Peut-être qu'on peut passer par là. Donc c'est bon, j'ai eu le journal, on peut sortir. Écoutez, on va le lire. Inventaire. Les malheurs de Rubella, panique bucolique. Bon, je sais pas lequel. Je pense que c'est panique bucolique, mais bon, on en a pas besoin pour l'instant de le lire, donc c'est cool.
Ok, je vais. Du coup, maintenant, on va sortir. Et on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour de prochaines aventures. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut!